Chers amis, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver en traversant cette trêve hivernale en compagnie de mon voisin que je ne vais pas vous présenter. Malheureusement pour lui, il n'a pas été appelé, lui, en sélection. Mais on est bien heureux au fond qu'il soit là pour continuer ce travail qui est un long chemin cette saison. Je suis donc évidemment en compagnie de Daniel Congré. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Daniel, tout d'abord, s'adresser à vous, converser quelques minutes, nous amène à aborder ce début de saison. Vous l'avez vécu comment? Parce que nous sommes aujourd'hui à l'abri des intempéries du ciel, mais sportivement, des intempéries tout court, ça va? Oui, ça va, même si on va dire qu'il y a un Montpellier à deux visages, un à domicile et un à l'extérieur. On performe vraiment à domicile, où on est poussé par notre public. On a un peu plus de mal à l'extérieur. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. On va le travailler pour tout faire, pour essayer de déjà décrocher notre première victoire à l'extérieur. Ce serait bien que ce soit à Saint-Étienne. Et puis non, on continue à travailler parce que l'état d'esprit est très bon, la qualité aussi est là, donc c'est de bonne augure. Bien sûr, avec Dessy, nous serions champions tous les ans. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que vous occupez aujourd'hui très honorablement, vous et vos camarades, une sixième place au classement, en dépit du fait que vous êtes l'une des quatre seules dernières équipes à ne pas avoir gagné à l'extérieur. Il est bien là le talon d'Achille à l'instant. Oui, exactement. Il faut qu'on continue à performer aussi bien à domicile et puis essayer de montrer notre visage à l'extérieur parce que voilà, on arrive à le faire sur des mi-temps, mais pas sur un match entier. Il y a une mi-temps à Bordeaux qui a été très bonne, une mi-temps à Metz aussi qui nous a permis de revenir. Mais il faut que ça tienne sur la durée. Donc voilà, travailler sur ça parce que si on arrive à pallier à ce petit problème, je pense qu'on peut même viser encore un peu plus haut. Nous sommes depuis plusieurs semaines admiratifs de l'état d'esprit qui anime Souleymane Camara. Nous sommes contemplatifs devant l'endurance exceptionnelle de Vitorino Hilton. C'est un peu oublié, Daniel, que vous aussi, vous faites partie à l'instant quand même des joueurs les plus expérimentés, on va le dire, du groupe de Michel Derzakarian. Vous entamez votre huitième saison à Montpellier. 34 ans, ça va vous? Tout va bien en forme. Vous êtes presque un vieux. Je fais partie des trois joueurs les plus âgés de l'effectif. J'ai envie de dire plus expérimenté qu'âgé. Parce que quand on voit la forme de Soulé et de Vito, on ne peut pas employer ce terme-là. Ils sont vraiment encore très en forme et ils le prouvent chaque week-end. Ceux qui ont une mémoire vacillante auront certainement oublié, mais d'autres non, que vous êtes arrivé l'année qui a suivi le titre de Montpellier. Vous avez participé à la campagne européenne. Vous avez joué d'ailleurs quasiment 2 matchs sur 6 de mémoire titulaire. 2 matchs sur 6 et deux rentrées. C'est une expérience inédite pour moi et inoubliable parce que c'est le Graal quand on est sportif de haut niveau, jouer la compétition européenne la plus prestigieuse de notre sport. J'ai eu la chance d'y participer avec Montpellier, même si on n'a pas pu se qualifier, ça reste un très grand souvenir. Vous n'avez pas oublié, vous, que vos débuts à Montpellier n'ont pas été aussi brillants que vous l'êtes aujourd'hui, parce que le temps a fait son œuvre, vous êtes aujourd'hui plus à l'aise, vous avez vos repères ici. Mais c'est vrai, ça a été laborieux au début. Oui, bien sûr, mais dans des carrières, il y a des moments comme ça où c'est dur, c'est difficile, il faut que mentalement on s'accroche. Et ce qu'il faut retenir, c'est la force de caractère qui m'a permis de revenir, de remonter cette première année, même si ça ne s'est pas super bien passé. Je fais quand même une saison pleine avec plus de 30 matchs en championnat. Et puis j'ai relevé la tête petit à petit. La fin de saison a été bien meilleure que le début. Et puis après, j'ai essayé de garder la dynamique. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident au début pour tout le monde, forcément, parce que j'arrivais dans un club qui avait été champion de France. Mais voilà, j'ai malgré tout pas lâché et j'ai pas de regrets parce que chaque fois que je rentre sur le terrain, je donne tout. J'ai tout donné à l'époque avec moins de réussite qu'aujourd'hui, mais voilà, je peux me regarder dans le miroir et me dire que même si ça s'est pas bien passé, t'as tout donné et puis t'as fait de ton mieux. Et oui, parce que vous concernant, le temps et votre persévérance ont réussi à vous stabiliser dans le groupe. Si je vous en parle à l'instant, c'est parce que nous assistons particulièrement cette année à l'émergence de nouveaux talents.
Je pense à Joris Chotard, je pense à Nicolas Cosa qui vient de temps en temps jouer des coudes avec vous. Vous vivez ça sereinement vous... Oui, il faut de la concurrence dans une équipe et il y a une grosse concurrence que ce soit au milieu de terrain ou derrière et c'est que bénéfique que pour l'équipe. Parce que ça pousse à tout le monde à se surpasser, à être performant chaque week-end. Et on peut le voir, n'importe quelle défense alignée est performante. Donc c'est vraiment très bien pour l'équipe. Daniel, je n'attends pas de vous que vous me disiez que cette saison se préfigure une saison galère parce qu'elle est plutôt bien que mal partie. Il faut dire les choses comme elles sont. Pensez-vous, avez-vous déjà un regard, votre expérience pourrait vous autoriser à avoir un avis sur ce millésime 2020 ? Pensez-vous qu'il peut aller loin ? Oui, je le pense sincèrement parce qu'il y a beaucoup de qualités. Et ce qui change un petit peu par rapport aux saisons précédentes, c'est un effectif avec une profondeur de banc intéressante, avec des joueurs qui, même s'ils ne sont pas appelés à jouer souvent, qui quand on fait appel à eux, sont très performants. Je pense à Junior Sambia, je pense à Souleyman Camara, Mihailo, Pétard. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément considérés comme des titulaires, mais quand ils rentrent et quand ils sont appelés à jouer, ils sont performants. Et c'est ce qui change par rapport aux années précédentes. Donc voilà, si on arrive maintenant à obtenir des résultats à l'extérieur et puis maintenir cette performance à domicile, on peut aller loin. La mission première d'un défenseur, le défenseur que vous êtes généralement, c'est évidemment d'œuvrer pour ne pas perdre un match. On a loué les qualités de la défense avant même de regarder plus attentivement la stratégie de Michel Derzakarian. On sait que la saison dernière, c'était le socle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez moins de poids sur les épaules parce que l'effectif est plus riche. Oui, et puis bon, ce serait assez réducteur de dire qu'un défenseur est là pour défendre et un attaquant est là pour attaquer. Aujourd'hui, un défenseur peut marquer des buts, puis les défenseurs sont les premiers relanceurs, comme les attaquants sont les premiers défenseurs. Donc ce serait assez réducteur de limiter notre compétence à cela. Mais c'est vrai, le fait d'avoir un effectif riche permet de faire tourner et puis garder l'énergie nécessaire pour durer sur toute une saison. Et j'espère que l'équipe ne connaîtra pas de coups de mou comme on a pu connaître les années précédentes. Et puis de temps en temps, peut-être pouvons-nous légitimement nous attendre à un but de Daniel Congré parce que ce n'est pas sa spécialité maison, mais quand même, à l'allure d'un métronome, vous en enquillez un, voire deux même, par saison. Oui, voilà. C'est... Vous vous souvenez du dernier ? Moi, oui, je vous préviens. Le dernier, c'est pas celui contre Reims, l'an dernier. C'est celui à Bordeaux. Vous aviez marqué un but à Bordeaux, ouais. Paul Lannes aussi. Je ne sais pas si c'est Bordeaux, alors peut-être Reims et après Bordeaux ou Bordeaux qui suit Reims, mais c'était coup sur coup, en tout cas. Et c'est sur une remise de Nico Cosa. Et le but de Reims, c'est une remise de Vito Hilton. Donc on fait tout en équipe, mais on fait tout en groupe, donc c'est bien. Non, mais mis à part, c'est vrai qu'un défenseur doit apporter un petit peu de temps en temps, un petit plus offensivement, sur coup de pied arrêté. Et on a quand même du gabarit, et puis derrière une qualité aussi qui nous permet de marquer des buts. Daniel, j'y faisais référence tout à l'heure lorsque nous avons parlé de la jeunesse montante qui pousse derrière. Permettez-moi de vous poser la question, pour un joueur aguerri comme vous, comment vous vivez des situations, certes rares, mais comment vous vivez la situation sur le banc de touche quand vous vous y trouvez ? Vous savez, quand on est un groupe uni comme on l'est, la notion de titulaire remplaçant, forcément, elle est importante, mais quand on est remplaçant, c'est que le coach a fait un choix. Même si ça ne fait pas plaisir, on est là pour aider le groupe. On fonctionne vraiment en unité, enfin en collectif plutôt. Donc c'est sûr que c'est frustrant, mais de voir ses collègues se dépouiller sur le terrain, et ça nous donne envie d'y être. Donc quand on est appelé à rentrer, on donne tout et puis on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Daniel, j'ai deux questions avant qu'on se quitte. La première, c'est qui tient pas tant à votre âge qu'à la situation actuelle de votre carrière dans ce monde où généralement tout va très vite, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Est-ce que vous, dans votre esprit, vous vous dites, voilà, ma maison c'est Montpellier, même si vous avez été formé à Toulouse, ma maison c'est Montpellier, j'aimerais aller jusqu'au bout à Montpellier.
Oui, c'est quelque chose qui traverse mon esprit. Maintenant, ma famille, elle est à la Montpellier. C'est ma 8e saison en pro à Montpellier et j'en ai fait 8 à Toulouse. Il me reste un an de contrat. Le calcul sont rapides. Hein. J'aurais fait plus d'années de carrière à Montpellier où j'ai trouvé une véritable famille et puis un groupe de joueurs, même si ça a pas mal changé, un groupe de joueurs qui est extraordinaire, un staff et même que ce soit la présidence, la direction, vraiment, vraiment incroyable. Donc je me sens super bien ici. Et c'est pour ça aussi que je m'épanouis sur le terrain, parce qu'en dehors, il y a beaucoup de confiance et de solidarité. Ça, c'est important. Daniel, on va se quitter. Je l'avais annoncé, évidemment, en nous collant un peu à l'actualité. Alors, ce n'est pas demain, mais c'est après-demain. Le championnat reprend dans quelques jours contre Saint-Étienne. Alors, cette fois, voilà, fort de ce qu'il s'est passé contre votre ancien club, 3-0 contre Toulouse, je le rappelle. Vous allez encore repartir droit dans vos bottes et cœur vaillant à Saint-Étienne, où vous aviez gagné l'an dernier. Je ne vous mets pas la pression. Non, c'est vrai qu'on restait sur un certain nombre de matchs sans victoire là-bas. On l'a fait l'an dernier et pourquoi pas le refaire cette année. Donc il n'y a rien, tous les voyants sont ouverts, il n'y a rien qui prévoit une mauvaise performance, même si les dernières sorties ont été ratées. Mais là, voilà, on a appris de nos erreurs et on va tout faire pour obtenir un bon résultat là-bas. Voilà, c'est très encourageant. Merci infiniment, Daniel. Merci.